Je suis très heureuse aujourd'hui. C'est ma première, je dirais, sortie officielle. Et qu'elle soit placée, effectivement, sous l'angle du social, c'est quelque chose qui me fait très chaud au cœur. C'est une journée de présentation, c'est une journée où on va présenter les activités du CCAS, on va expliquer ce qu'est le CCAS. Nous sommes au tout début de la mandature, donc c'est l'occasion aussi pour les bénévoles, pour toutes les associations, pour le personnel aussi, et tous les périphériques inhérents au CCAS, de dire ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils font, et de dire aussi où est-ce qu'on va aller, de donner la perspective de ce mandat. C'est une façon aussi éducative et ludique de nous présenter tous et d'essayer de faire en sorte qu'ensemble nous puissions aller plus loin et nous, que nous puissions donner du sens à la démarche solidaire et sociale très chère à la Ciotat. L'objectif, c'est de présenter l'ensemble des services de manière détaillée dans leur partie opérationnelle pour que les élus aient l'ensemble de la connaissance des différentes actions et missions que nous portons. Les principales actions du CCAS, c'est la lutte contre les exclusions, avec l'aide alimentaire, le soutien financier, l'accompagnement social. C'est le soutien de vie à domicile, c'est la lutte contre l'isolement. Toutes ces actions, effectivement, ont été, je dirais, renforcées pendant la période du Covid. Aidées également, il ne faut pas l'oublier, par les bénévoles.